it's you that has to deal with the consequences. I said innocent humans. If some asshole levels a 12 gauge your way, you drain him, skin him, and bash in his skull. Self-preservation is a vital part of humanity, after all. My favorite part, in fact. The only way to fight the beast is to keep in touch with your humanity. Donc ok, donc il faut faire aussi attention à ne pas perdre son âme en fait, son âme humaine, puisque sinon on laisse le champ libre aux démons qui nous habitent. Et dès lors il peut y avoir de sacrées conséquences. Donc là, on va... La dernière fois on s'en était pris à un humain lambda. Là on va s'en prendre à un vagabond si je me trompe. Non, c'est bon, c'est bien ça. C'est un vagabond. Donc, on va voir si la jauge va plus vite à se vider. Reste là, attention. Ouais, ça c'est galère à... Voilà. Ouais, ça va largement plus vite quand même. Donc, ok, ça c'est fait. Ensuite d'accord, on peut aussi s'en prendre aux animaux, donc en l'occurrence ça doit être des rats. Ouais, c'est des rats. Ok, bon, on va essayer de voir. C'est assez difficile quand même de récupérer toutes les touches du clavier et en même temps se diriger avec le pavé. C'est pas simple. Je vais mettre au sol, voilà. Ce sera peut-être plus simple pour les attraper. Ok, on avance. On va y arriver, il n'y a pas de raison. Ok, ça va extrêmement vite en fait. Il n'y a rien là-dedans. Ouais, il n'y a vraiment rien. Là, je l'ai loupé. Il est où? Ouais, c'est vraiment pas simple de se diriger et en même temps appuyer les... En plus, moi, je suis gaucher, donc en fait, tout est inversé. J'ai ma main sur le pavé directionnel, c'est la gauche, donc la droite elle doit chevaucher pour aller chercher les touches. Ce qui n'est pas du plus simple effet. Donc voilà, on a mangé des rats. Ouais, j'espère que je vais pas me tromper. Si, je me suis trompé de touche, je lui ai mis un coup de poing. Va falloir franchement que j'arrive à me faire assez touches. Bon, je vais essayer de pas le refrapper. Et en plus, il se fout de moi. Bon, tout compte fait, j'ai bien fait de lui mettre un coup de poing. Puisque maintenant, il fait de l'humour avec le fait de m'avoir envoyé boire des rats. Ok. Donc, en fait, les rats, c'est vraiment mal vu. Ouais, ben, ça, si ça peut sauver la vie, je vois pas pourquoi je m'en passerais. Ok. D'accord, donc il y a quelqu'un, il y a un ennemi dans le secteur. D'accord, donc on va devoir certainement essayer la furtivité. Ok, donc il faut que j'aille le retrouver de l'autre côté. D'accord. Ok, donc la luminosité, c'est le petit point vert en fait. Et il y a une jauge en dessous pour vous avertir si on vous voit ou pas.
Donc là, on est à 0. Là, ça augmente. D'accord. Une explosion. Ça va pas arranger les choses. Donc là, on va s'éclairer comme un sapin en passant en dessous d'un réverbère. Donc c'est risqué. Ça va. On est passé. Donc c'est bon, l'objectif est atteint. On a réussi à passer furtivement. Ok, donc là, on va faire sa première victime, je pense. Il va falloir aller régler son compte, en fait, à un agent du sabbat. Et il semblerait que ce soit un nouveau-né. Donc, pas encore conscience de son potentiel. Donc je vais me relever pour gagner en rapidité, lui foncer dessus et lui décocher un maximum de temps. Voilà. Ah bah c'est bon, je l'ai eu. Ah bah, ça a été vachement vite. Donc là vous voyez les petites particules qui montent comme ça signifie des objets en fait. Là c'est un démon top 2 qu'on peut utiliser comme arme. Assez original comme matraque. Mais bon, ça fera peut-être de l'effet. Donc maintenant on a un démon top pneu qu'on pourra équiper. Le tout étant de savoir comment. Ok, on va revenir voir le mentor. Ouais, j'ai trouvé un raccourci là pour attraper les gens, ce sera peut-être plus simple. Ok, donc on va aller sur le côté. Ok, allez, c'est parti, on ouvre. Ouais, il y a une grille. Alors ça c'est embêtant en fait, c'est quand vous avez une ouverture au sol, faut vraiment vous trouver, vous voyez, faut vraiment vous trouver sur le point où vous pouvez faire l'action. Pas trop près, pas trop loin, enfin c'est. Ça peut vite devenir énervant quand vous n'arrivez pas à vous positionner comme il faut. Donc voilà. Ensuite. D'accord, on a un ennemi là-bas. C'est étonnant qu'il soit pas retourné, vu le nombre de fois où j'ai claqué la porte. Ouais, donc on va devoir le tuer par surprise. D'accord. Ok. On se met dans le dos. Alors, est-ce que ça apparaît tout de suite? Pour l'instant, il n'y a rien qui n'apparaît. Donc, je vais me lever. Non, il n'y a rien qui apparaît non plus. Je m'en recule. Ouais, c'est vraiment. Voilà, c'est ça qui est vraiment énervant en fait. C'est de réussir à se positionner pour obtenir l'option pour le tuer en fait. J'espère que je vais pas lui décocher un coup de poing malencontreux. Je vais finir par louper le truc. Alors, hop, d'accord, voilà, là c'est bon. Et hop, d'accord, ouais, assez efficace. Quand on arrive à se positionner, c'est efficace. I'm gonna keep an ear to the ground. Be careful going forward here. Could be a whole mess.
less of them hold up. D'accord. Donc, là, on passe au suivant. Donc là, on a les pouvoirs. Donc, c'est la jauge avec les pouvoirs, en fait. Ouais, je prends le temps de lire, hein. Je suis désolé, mais... Ok, donc là, c'est un deuxième pouvoir. Puissance du sang... Donc faut que je déclenche la puissance du sang pour dire de pouvoir ouvrir la porte. Si j'essaye de l'ouvrir là directement, non. Non, ouais, faire un coup de poing, ça va pas le faire. Voilà, je le fais directement. Non, il n'y a rien, ça fonctionne pas. Je vais vraiment être obligé d'activer le pouvoir en fait. Non, c'est vraiment un échec, on peut vraiment... on n'y arrive pas en fait. Si on n'active pas notre pouvoir, il n'y a rien d'autre. Donc là, pas de clé, rien. Non, je vais être obligé de trouver la touche pour les changer les pouvoirs. Ça va me prendre un certain temps. Non, ça c'est pas la touche. Ah tiens, il y a des raccourcis. Raccourcis de discipline. Ok. Donc en fait, les touches qui nous servent à discuter peuvent aussi nous servir à activer des pouvoirs quand on n'est pas dans, dans un échange, en fait, dans une discussion. C'est bon à savoir ça. Je savais pas qu'il y avait ce raccourci. Donc pas mal. Voilà. Donc de la puissance. Et donc là on essaye. Échec, d'accord. Comment j'active mes pouvoirs? Parce que c'est pas le tout de le mettre en fait. Sur le pouvoir, faut réussir à l'activer. Et j'ai pas vu comment fallait faire. Alors. Non, c'est un échec, donc il y a quelque chose à faire. Je ne sais pas encore quoi. Comment on peut bien activer ce pouvoir? Ça, c'est embêtant quand même, force. Comment je peux déclencher? Non, là, c'est les capacités, enfin, la fiche. C'est pas gagné. J'arrive pas à trouver le... Comment je peux faire? Est-ce que je vais réussir à trouver? Donc en fait c'est pas une touche du clavier. Enfin pas du clavier où il y a les lettres en fait. Non, ça c'est l'inventaire. D'ailleurs c'est quoi? Ah oui, je peux équiper je peux m'équiper du démonte pneu. D'accord. Bon bah ça au moins je vais trouver comment on peut s'équiper. Là c'est pour ce qui est vêtements. C'est pas gagné.